Good morning, beautiful people. Bon matin. Allô, allô, allô. Sinon, juste bonjour. Bonjour. Mon nom est Anna. Bienvenue à mon nouveau vlog. Aujourd'hui, en fait, je vais faire un vlog d'une journée parce que je suis présentement en République dominicaine et l'objectif, c'est de vous montrer un peu l'activité, les activités d'aujourd'hui. C'est rien de trop grandiose, honnêtement, de mon côté. Je suis en République dominicaine pour célébrer l'union de deux amis que j'aime beaucoup. Donc, j'en profite un peu pour créer du contenu et pourquoi pas. Puis, dans le fond, je vais vous montrer comment je me prépare, qu'est-ce que je fais, la robe que je vais porter, un peu tout le processus, juste pour le fun, pour créer un genre de mini-vlog. Donc, c'est ça. Donc, si ça t'intéresse, si c'est déjà quoi faire, abonne-toi, laisse-moi un petit commentaire, chill with me, parce que ça va vraiment être une journée chill, rien de trop bien organisé, honnêtement, vous allez juste être avec moi pour la journée. Je vais vous faire le tour de l'appart, en fait, du resort un peu, mais ne me jugez pas, s'il vous plaît, la chambre n'est pas rangée, on est rentré tard hier, puis vu que mon copain est un des garçons d'honneur, donc ce que ça fait, il y a beaucoup de préparation, beaucoup de dernières minutes, donc... Ouais, donc c'est ça, j'ai hâte de commencer. Donc là, je suis sur le balcon, juste ici. Il y a un hamac, c'est bien cute, avec deux chaises. Puis on a une petite vue, on n'a pas une vue sur la mer, mais on a quand même une vue d'ensemble, puis je trouve ça vraiment cute, honnêtement. Je vais te montrer ça. Donc, c'est un peu ça. J'ai fait un wash and go en passant. J'ai aucune idée de ce que je vais faire avec mes cheveux. J'ai ce wash and go-là depuis maintenant 5 jours. Je ne me suis pas lavé les cheveux avant. Oupsie doupsie! Mais mes cheveux aiment beaucoup l'humidité de la République dominicaine. Cependant, je trouve ça quand même collant sur mon visage et tout. Donc, je vais peut-être faire une coiffure qui dégage mon front puis les cheveux de mon visage parce que je n'aime pas trop ça. Je trouve ça collant. Puis vu que le mariage, ça va durer un peu comme... Ça commence vers 3 heures, je pense, 3 heures, 4 heures. Puis ça va finir tard et je sais que ça va être lit. Donc, je vais me préparer pour être lit. Un petit mini room tour est nécessaire. So, j'ai commencé par le début, bien sûr, l'entrée. Toutes mes affaires sont comme déjà placées. On a déjà créé le bordel. So, ça, ce sont mes pieds. Allô! donc, quand on rentre, ça, c'est vraiment l'entrée. On a la toilette, juste ici. La serviette mal rangée, comme j'ai dit, no judgment. Puis, une petite mini-douche. Vraiment, là, je trouve que la douche est vraiment trop petite parce que ça fait dur. Mais comme je suis petite, ça va, mais vous devriez voir mon copain dedans, là, si vous l'aviez vu. Il a galéré sa vie. Donc, ça, ce sont mes produits. J'ai amené pour la douche le She Moisture Nettoyant Corporel Nourrissant que j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous montrer tous les produits que j'utilise au fur et à mesure. Mais à ce point, je pense que She Moisture devrait peut-être me sponsoriser parce que j'ai amené le shampoing, le conditioner, le truc pour se laver le visage. Listen, on aime She Moisture. Et vous savez que j'aime ça travailler avec She Moisture aussi, donc ça tombe bien. Donc ça, on a comme une salle juste ici après l'entrée qui est exactement en face de la toilette. Désolé du bordel. On a le miroir juste ici, un grand miroir que j'aime bien. Il y a comme un placard derrière. Mais je vais te montrer ça après parce que j'ai ma robe là. Puis après... Ça, c'est moi. Hey, sis. Hi! On a été déjeuner super tôt ce matin. Mais super tôt, pas assez tôt, parce qu'à cause de ça, on n'a pas eu assez de choix de bouffe. La bouffe, no comment, mais bon, on a mangé. Puis vu que c'est une longue journée, comme je vous ai dit, ça demande quand même, il faut manger, là. On va sûrement rentrer à 4 heures du matin, puis c'est ça. Donc, on a le miroir juste ici. OK. Puis, un séchoir. Mes produits qui sont dans mes sacs que j'ai amenés, je les mets toujours sur le comptoir. Je les retire toujours de la valise parce qu'après ça, c'est un struggle les chercher. Les produits de B, mes produits à moi. Puis, c'est ça, on a un bain tourbillon
qui est quand même bien. J'ai hâte d'essayer. On va rester quand même 8 jours, donc ça va faire du bien. Puis le miroir juste ici. Hi. J'ai mis ma robe ici. Je l'ai steamée avec mes chaussures qui ne viennent pas de Shein, mais ça fait longtemps que je ne sais pas quelle a, donc je les garde pour les réutiliser. Déjà que j'ai commandé de Shein, c'est déjà la chose. Donc, j'essaie de réutiliser les paquets. Ça ici, le sac que j'ai volé à ma cousine d'amour, parce que ça ne me tentait pas d'en acheter. Puis, c'est ça, j'ai hâte de la mettre. Je trouve que ça va bien avec mon teint, ça fait très tropical. Par contre, ladies, par contre, on va se parler du problème, c'est que c'est une robe plaquée. Moi, je veux manger. Moi, je veux danser. On fait comment? On fait comment? On va réussir à... On va gérer ça. On va gérer ça. Donc, j'ai ça ici. On remet la robe. C'est sûr que je vais vous montrer le outfit avant parce qu'on va faire nos cheveux ensemble et tout, s'habiller. Petit désordre ici. On a le comptoir ici avec un autre miroir. On a quand même pas mal de miroirs. Boum! J'ai rangé mes affaires dans les tiroirs, mais il n'y a vraiment pas de choix. And it's a little ghetto. On fait avec les moyens du bord. Le truc ici, puis on a comme un petit mini salon ou une salle de séjour, un petit truc de séjour. Puis la télévision et le lit. Honnêtement, c'est vraiment tout, mais ce que j'aime le plus, c'est vraiment le balcon. Parce qu'on a un petit hamac, puis on a quand même une belle vue. So yeah. That's about it. Donc l'objectif vraiment, c'est de montrer toute la préparation derrière, comment je fais mes cheveux, comment je prépare ma peau, comment je me maquille, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais filmer. Donc j'ai vraiment hâte, honnêtement, il est présentement 11h et quelque chose. Techniquement, vu qu'on est dans un resort, je dois être prête à 2h30. Non, je dois être prête avant 2h30, me rendre au lobby pour 2h30 pour prendre l'autobus et aller à l'église pour la cérémonie. Ensuite, aller pour la salle de réception. Donc, je pense que ça va vraiment être beaucoup, beaucoup de fun. J'ai amené mes sandales à talons, mais j'ai aussi amené des sandales plates. Because we're gonna dance. Mais, yeah. Là, demain... Oh, guys. Ils ont prévu une activité demain. Après le mariage, dans le fond, on finit à 3h du matin. Mais on doit aller sur une île après ça pour avoir du fun. On va rentrer super tard. Donc, je vais préparer toutes mes affaires. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher les serviettes dont on aura besoin. Déjà d'avance, préparer mes petites choses. Donc, je vais aller les chercher maintenant que ça puisse être prêt. Puis, c'est ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, let's do this. Je vais vous amener avec moi vu que c'est une journée de vlog. Je ferai visiter le resort en même temps. Ça, c'est là où on mange, en fait. Ben, il y a des repas, là, genre des burgers, hot dogs, si jamais tu veux ça pendant que tu es au bord de la piscine. That's the pool. Et la playa. Juste ici. Là, là. OK, so... Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris, je pense qu'il est exactement... Attendez, je vais juste prendre mon téléphone pour faire. Donc, c'est ça, donc, je vois les midi 15. Il faut qu'on se prépare pour 2h30, pour être au lobby à 2h30, comme j'ai dit. Donc, je pense que c'est plus sage pour moi de commencer à faire mes cheveux, même si, je vais pas vous mentir, mes cheveux, ça va vraiment pas être au compliqué. Je pense que je vais faire un half up, half down et
remettre un peu de gel derrière et les attacher comme je les aime, parce que quand je fais ça, je trouve que ça étire un peu les pointes. Puis le seul produit que je vais utiliser, que je trouve que mes cheveux adorent, surtout dans cette température-là, c'est le Myel Organics. Celui-là ici, le Coil Sculpting Custard. Ça ne veut pas zoomer. Bon, vous connaissez c'est quoi? C'est celui-là ici. En fait, ce que je réalise avec celui-là, c'est que, vous voyez, j'ai mes cheveux comme ça depuis lundi. On est présentement, on est samedi. J'ai fait mes cheveux comme ça, puis j'ai réalisé que même quand je les attache, même quand je fais une autre coiffure avec, si j'utilise vraiment juste ce gel-là, je suis en mesure de ravoir mes cheveux comme ça, sans nécessairement avoir la ligne de démarcation ou là où je l'ai attaché, etc. Même quand je les aplatis comme ça pour aller me coucher, ça revient full volumineux. Donc, je pense que c'est une très, très bonne idée. Donc, je vais faire ça. Je ne sais pas si je me laisse des franges ou pas. Je réalise que les franges deviennent très, très courtes. Donc, je ne sais pas. À suivre. Thinking about doing it like that. Half up, half down. Type of thing. Je pense que ça va être cute. Je ne suis pas sûre que je vais laisser mes franges. Quand c'est court comme ça, je trouve que ça fait bébé lala. Mais quand c'est long, ça fait correct. I don't know. Avec ou sans frange? Je sais. Oh mon Dieu, mon visage est dégagé. J'aime ça. Ok, sans frange. Sans frange, guys. Sans frange. Bon, j'ai amené mes gants. Ouais, j'ai amené les gants. Parce que tu sais déjà que je ne veux pas ruiner ma manicure que j'ai faite toute seule. Sur le plan de soins personnels, ce mariage ne m'a rien coupé. Rien coûté, puis j'aime ça. Je vais mettre mes gants. Pour éviter de ruiner ma manicure avec mes ongles qui sont complètement ramollis là de nos jours. We're ready. Puis, ma brosse, si nécessaire, mais je pense pas en avoir besoin. Pennybex. J'ai tout amené. Donc, ce que je vais faire, c'est remettre du gel et faire une couette pour les étirer. Puis, quand ça va être le moment, je vais décider de voir est-ce que je laisse des franges ou pas, ou sans franges, ou whatever. Mais, on va commencer. Ça va tellement être vite. Ce gel ramollit mes cheveux. Vous n'avez pas idée? Sans utiliser d'eau en passant, parce que je veux justement diminuer l'effet du... Oh, celui-là est différent, il est beaucoup plus épais. Parce que c'est un nouveau paquet. Ok. On va commencer. J'espère que ça va être correct. Je le trouve vraiment plus épais, ce paquet-là. Merde. Okay. Je vais peut-être démêler finalement. This one is thicker. Mais ça fait des boucles. Ok, ben je vais démêler et mettre du gel. That's it. Techniquement, j'ai fini. Je vais te montrer le résultat. So, hair is back. À être vraiment super défini. Donc, ce que je fais d'habitude, puis ça dépend du gel que j'utilise, mais quand j'utilise ce gel-là, vraiment, je prends un chouchou.
puis je l'attache. Honnêtement, pas quelque chose de serré, mais juste pour éviter que les cheveux se shrink encore plus, je vais prendre un deuxième et mettre ça au niveau des pointes. L'objectif vraiment, c'est de garder les cheveux le plus long possible pendant que ça sèche un peu. Et c'est une technique que je trouve qui fonctionne. Donc, j'utilise des chouchous en satin que j'ai acheté sur Amazon. Tu vas voir, j'ai une vidéo que j'ai fait là-dessus également sur comment étirer mes cheveux quand je fais des wash and go. Puis, je vais également mettre mon foulard. Je ne m'inquiète pas si mes cheveux, les boucles paraissent un peu plus loose. Ça ne me dérange vraiment pas. L'objectif, c'est de ne pas les avoir trop courts, même si le shrinkage en egg, c'est positif, mais tu sais, tu comprends exactement ce que je veux dire. Donc, je vais juste faire ça comme ça. Pour en profiter pour aplatir un peu mes edges, même si l'objectif honnêtement d'aujourd'hui c'est pas d'aplatir les edges, mais d'avoir un certain contrôle au niveau des edges sans ajouter de gel. Donc je vais prendre mon foulard ici, vu que les cheveux sont déjà attachés. Puis les attacher. Avec mon foulard. Ok. J'ai enlevé mes gants. Pourquoi je garde mes gants tout le long? C'est ici. Donc, pour la partie cheveux, honnêtement, je vais aller avec le flow. Half up, half down. Je vais voir comment ça va être quand je vais retirer mon foulard une fois que c'est le moment. Une fois que c'est le moment, puis à suivre. Donc, je vais rester comme ça pour la suite des choses. Et me préparer un petit café parce que je suis un peu fatiguée. Ça va me permettre de me réveiller un peu. Et voilà. Donc, partie cheveux, it's all good. Pour le moment. So, j'ai changé d'avis. Je pense que je vais aller manger quelque chose vite fait parce que bizarrement, j'ai faim. Puis la journée n'a pas encore commencé. Là, j'ai déjà déjeuné, mais je n'ai pas déjeuné grand-chose. Donc, j'allais manger. Je m'en fous. J'ai mis un t-shirt. J'ai gardé mes pantalons. Je vais sortir comme ça. It's none of people's business, OK? Si j'ai la tête attachée parce que j'ai trop faim. Puis, il faut que mes cheveux marinent sous le foulard. Donc, on va faire ça. Je mets mes lunettes. Saying hi to no one. Je vais juste réappliquer de la crème solaire, même si je vais me laver le visage tout de suite après. Mais je ne prends pas de chanceux. Non, 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 pas de chance. Je me connais, je deviens grincheuse quand j'ai faim. Donc, J'ai ma crème solaire de La Roche-Posay, mon préféré des préférés. Absorbe bien sur la peau, ne laisse pas de résidus blancs, puis 50 SPF quand même. J'en parle tout le temps sur les réseaux sociaux. Tout le temps. Dès que j'aime quelque chose, je pense que vous le savez. Et je m'en cache pas. Je ne vais pas garder les goodies pour moi seulement. Hein. On est ici pour partager. On est ici pour apprendre, découvrir ensemble. Puis si vous avez des choses aussi, là, laissez-les en commentaire. Sus! Finalement, j'ai mis un chapeau parce que il y a un niveau où il est honnête, là. So, je vais aller manger. Je ne vais pas vous amener avec moi parce que ça va être compliqué, mais on se revoit tout à l'heure pour se préparer. Bye! Ok, de retour! Le ventre bien rempli. Ok, so, je vais juste checker rapidement sur le wash and go avant que ma douche et tout, juste pour m'assurer que tout est correct. Ensuite, je vais prendre ma douche et commencer à me préparer parce que il me reste une heure. De ça dont ça a l'air. Oh my god. Oui. This is pretty. It's
Okay, so on est sur une bonne voie. Donc, ce que je vais faire, je vais les rattacher à nouveau, mais je vais pas laisser de frange. Je vais vraiment faire un half up, half down. Puis, that's about it. Je vais pas stresser avec ça, avec le shrinkage, machin et tout devant, les cheveux qui me collent à la face parce que fait extrêmement chaud. Donc, je vais les rattacher. Puis, on va aller prendre une bonne douche. Et commencer à se maquiller. Pour le visage, j'ai amené mon exfoliant de tous les jours de Dermalogica. C'est le petit format. Je trouve que c'est vraiment facile à transporter. C'est ça ici. Puis j'aime vraiment beaucoup, j'utilise ça tous les jours. C'est vraiment doux. Ça, puis pour mon toner, je vais utiliser ma collection de Caudalie. Donc Caudalie, le Vino Perfect, le toner ici, avec le sérum, juste ici. C'est la même chose, Vino Effect Sérum, pour un éclat de teint. Puis pour la crème, je vais utiliser la crème également de Vino Effect. J'aime vraiment, vraiment Caudalie, cette gamme-là. Puis, par-dessus, avant mon maquillage, je vais appliquer ma crème solaire. Je ne vais nulle part sans ma crème solaire. Si tu n'as pas de crème solaire, pense-y maintenant parce qu'il t'en faut une. C'est pas parce que tu es noire que tu n'as pas besoin de crème solaire. On a beau attendre que notre mélanine, c'est le feu, c'est pétillant, on a une belle peau, mais tu as besoin de crème solaire, tu as besoin de protection. Puis, c'est pas seulement en été. Donc, crème solaire. Puis, c'est ça. Je vais me maquiller. Je pense que vous avez déjà vu mes vidéos maquillage. Comme je suis pas une pro là, donc je mettrai la vidéo de comment je fais mes maquillages d'habitude dans la barre de description. Sinon, je voulais vous parler de si vous habitez à Montréal ou au Canada, je pense. Si vous avez, j'ai acheté ce beurre organique à base de cacao et miel. Et oh mon Dieu, je suis en amour. C'est, attendez, ce beurre-là juste ici. Puis, ça sent bon et c'est tellement hydratant, ça te donne ce glow en été, là, ou sinon même en hiver, je pense que ça va être bien, mais c'est un nouveau beurre que j'aime beaucoup et je le mélange. J'alterne entre celui-là et celui de Caudalie que j'ai reçu et je suis en amour. Donc, je vais faire mon maquillage, je vais me préparer parce qu'il me manque du temps! Ok, là, je suis rendue, il me reste juste 30 minutes, puis chop, 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 chop! J'ai amené tout mon stock! J'ai pas pris de chance, mais je sais que je vais pas mettre tout ça, là, mais j'ai amené tout mon stock. Donc, j'ai commencé, puis je vous montrerai le résultat vers la fin. Okay, so that's the dress. Je suis en retard, mais je dois faire mes cheveux avec vous. So, je pense vraiment que... Ouh, je sais vraiment pas ce que je vais faire avec mes cheveux. I don't know what I'm gonna do with my hair. I don't know. Je suis un peu stressée. Ok, je vais le faire comme ça. Yeah. Je vais faire half up, half down. Parce que. Est-ce que j'aime ça comme ça? Yo. Je vais laisser la frange, je m'en fous. Parce que. It's cuter. Like that. Ok. Puis j'ai pas besoin de trop vouloir. Les aplatir. So, je vais faire ça comme ça. Shit. Mm.
So, honestly, this will do it. This will do it parce que ain't nobody got time. Ain't nobody got time. On va mettre un tout petit peu de edge control. J'ai aucune idée des bijoux que je vais mettre. Aucune idée. Appelez-moi dernière minute. Un peu trop. Mais je pense que on a pris trop de temps pour aller manger. Because it's already time. It's already time. Je vais mettre un mélange des deux. It's already time. It is time. It's time, baby girl. It's time. Je vais rattacher la couette. Ok, là, je vais retirer les cheveux en arrière parce que ça m'empêche de fonctionner. Je suis sûre que ma mère va voir ça qu'elle va comme quand. Toujours dire au bouquet courri. T'avais tout le temps devant toi. T'as niaisé. Ben, ça met plus de piment dans la vie. Je suis pas en retard, je suis juste pile à l'heure. Et on va se mentir un peu dernière minute. Ok, je pense que c'est bon comme ça. Yeah, that's cuter. Ok. That's cute. Je vais mettre un bijou. And call it a day. I am done, baby girl. I'm done. Done. On va mettre nos bijoux. Nos sandales. La chandouette. Mes amis, ça c'est une crochue. Oui. Oh là, on est serré. Maillot du. En même temps, je mets ça. Faut que je mette des talons. Mais les sandales sont bien fun. Ok. Ça ici ou parce que je veux pas quelque chose de gros là, je veux quelque chose de cute, de simple. And call it a day. Maybe I should wear that. Oh, this is cute. It's giving. It's giving hot, what, wet, wet. Yeah, puis ça rappelle un peu la couleur du de la robe. Ensuite, il me faut un genre de petit collier. Un petit collier, ok. C'est sûr que je ne vais pas prendre l'avion avec ça comme ça, là. C'est tout mêlé! C'est mêlé! Peut-être que je vais mettre ça. Juste pour rappeler que j'ai un petit quelque chose. C'est cute. I don't know if I would wear a necklace. Yeah, je pense que je vais pas mettre de necklace. I'm not sure. I think it's too much. Yeah. Je vais mettre dans mon sac. Comme ça, moi, je sais que j'ai l'option. Je vais mettre ma montre ici. Si B était là, B t'a couru DM pour dire que je suis toujours à la dernière minute. Why am I like that? Why? J'ai ma montre, mon bracelet, quelqu'un va devoir le mettre. Parce que je n'ai pas le temps. Bague. Juste ici. Oh, mes déodorants! Ils sont mis! Si je mets ma déodorant, le déodorant, si je mets pas ça, avec la chaleur qu'il fait, puis mettre du parfum. And I think that should be it.
so cute. Okay, this has to go in my bag. Parce que si j'oublie ça, je vais être fâchée. Et si je me fâche, il va bon. I tore my rings. J'ai amené l'échantillon de parfum juste ici. Yves Saint Laurent est livré. Je sais que tout Internet a ce parfum-là, mais I'm not gonna lie, j'aimais ça bien avant Internet, de savoir qu'Internet aimait. So, je suis un petit peu déçue de ça, mais bon. It is what it is. Je le mets n'importe comment. Casse-pied, voilà. J'ai la grosse bouteille, mais une chose que j'ai l'échantillon, I like that. Ça ici.